Experience tranquility. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon Let's Play de la tranquillité sur le jeu Stardew Valley. Et donc dans le dernier épisode, je vous avais montré comment on gérait la ferme, les débuts de la ferme, la pêche, le village et ses alentours, tout ça. Et donc ce que je vous propose, c'est que dans ce second épisode, je vous remets une grosse couche d'informations sur quelles sont les différentes choses importantes à faire dans le village, qui se débloquent au fur et à mesure de l'année. Et donc voilà, ce que je vous propose, on est parti, on va découvrir ça. Donc voilà, j'ai fait simplement avancer 2 jours, bon bah j'ai récolté un peu des poissons, des trucs comme ça, j'ai acheté un petit peu des items, tout simplement, voilà. Parce que je voulais trigger certains événements, comme celui-là. Bonjour Céandra, tu as vu ce chat ici? Enfin, ce chat-là, plutôt. Je l'ai trouvé assis juste à l'entrée de ta ferme. Je pense que c'est Stray, je sais pas trop ce que c'est Stray. Pauvre petite chose. Je pense qu'il aime cet endroit. Tu penses pas que tu pourrais utiliser ce chat? Bon bah oui. Bon bah du coup on va aller choisir un nom. Hop, on s'en fout. Miso ça va très bien. Comme la soupe miso. Voilà, donc on récupère le chat. C'est le 5e jour du coup. C'est toujours récurrent. Le 5e jour de la première année, vous récupérez le chat. Je vends des chats, ok. Des chapeaux. En fait, là, c'est la. Comme j'ai réalisé un succès le jour d'avant, il y a le vendeur de chapeaux qui est arrivé. Vendeur de chapeaux qui vend des chapeaux selon les succès que vous avez fait. Là, c'est l'histoire de Dojo Mart qui dit que l'éboulement qui avait lieu à côté de la mine, et ben maintenant il est corrigé. Du coup voilà, on peut tout simplement aller du côté de la mine, c'est ce que je vais vous montrer. Mais d'abord, je vais récolter un petit peu, voilà. Quand vous avez un plus vert sur vos récoltes, c'est que vous pouvez les récupérer. Hein. Donc je vais récupérer un petit peu. Hop. Je vais arroser les plantes. Alors ce que je vous conseille, tout simplement, quand vous récoltez au tout début du jeu, ne les mettez pas dans la boîte, qui est là, parce qu'en fait la vente, elle se fait évidemment que le soir. Le soir à minuit. Sauf que si vous voulez racheter des graines, surtout au début du jeu où vous n'avez pas forcément les fonds pour acheter toutes ces graines, eh ben c'est un peu chiant. Vous avez besoin plutôt de passer directement voir le vendeur pour lui vendre ça de base et ensuite les lui racheter, acheter les graines qu'il nous faut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en ville, je vais monter du côté de la mine pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'étais juste en train de regarder dans le vieux trou de mine. Il a été abandonné depuis des décennies. Mais il reste quand même probablement du bon minerai en dessous. Mais c'est un endroit sombre, un violet depuis longtemps. J'ai un peu peur que les minerais ne soient pas la seule chose que vous trouvez en bas. C'est super dur de traduire en même temps. Voilà, prends ça, tu auras peut-être besoin de ça. Donc on récupère la Rusty Sword, donc c'est la première épée que vous pouvez récupérer. Mon nom est Marlon, à propos. Je gère la guilde des aventuriers juste à côté. Je garderai un œil sur toi. Prouve-toi et à moi que tu peux être un membre. Voilà, donc là en gros on récupère l'accès à la mine. Donc vous avez le kart ici, mais je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne plus tard. Là vous avez l'ascenseur. Qui vous permet de vous déplacer tous les 5 niveaux de la mine, sachant qu'il y a 135 niveaux sur la mine. Et en gros, ce que vous devez faire, c'est que vous devez descendre à chaque niveau. Par exemple, là, on est au niveau 1. Et trouver une possibilité de descendre au niveau suivant. Pour ça, 2 solutions. Soit vous cassez des cailloux, comme là, ce que je viens de faire, et vous tombez sur la sortie. Voilà, tout simplement. Soit vous tuez des monstres, comme par exemple, vous avez des slimes ici, des slimes verts, les premiers slimes que vous pouvez trouver. Vous tuez du monstre suffisamment. Merde. Suffisamment de monstres, voilà, pour faire apparaître, c'est génial, le jeu est super pratique, suffisamment de monstres dans le niveau pour faire apparaître la sortie.
Bien entendu, il n'y a pas forcément que des monstres, que des cailloux. Vous pouvez trouver par exemple du quartz, comme ce qui est là, ou des trucs à minerai, que ce soit de l'or, enfin de l'or, des minéraux quoi. D'ailleurs, je vais manger ça, parce que ça restaure de l'énergie. Ah non. Ouais, ça restaure rien, mais ça enlève rien du tout, donc on va le manger, tant pis. On s'en fout. Ça vous permet de récupérer du copper ore, donc c'est des petits éclats de minerai de cuivre. Vous en aurez besoin pour les faire fondre et le transformer en... Merde, comment ça s'appelle? En lingot de cuivre. Donc c'est 5 minerais pour un lingot, quel que soit le minéral. Sachant qu'il y a l'or, le fer, le cuivre et le merde, un dernier minerai qui s'appelle l'éther, je sais plus quoi, enfin un minerai très très rare et qui vous servira pour les items de endgame, on va dire. Donc voilà, chaque niveau vous pouvez faire ça, sachant qu'il y a des niveaux où il n'y a pas de minerai, il n'y a pas de cailloux, et exclusivement des monstres. Et le seul moyen d'arriver à la fin, à passer au niveau suivant, c'est de tuer les monstres. Ah, j'ai des items que j'aimerais bien récupérer quand même. Ça c'est chiant par contre, c'est que quand vous avez pas du tout de sac, votre inventaire il est ridiculement petit. Et j'aimerais bien récupérer les géodes pour montrer comment ça marche aussi. Bon, le slime, de toute façon, on en retrouvera bien. Voilà, donc les géodes, ça vous permet de trouver des minerais un peu plus élevés, enfin soit des minéraux comme la topaze, le diamant ou des trucs comme ça, soit d'autres choses. Sachant que l'ascenseur vous permet de vous déplacer tous les 5 niveaux, et vous avez besoin de passer au 5e niveau d'affilée, enfin, comment dire. Merde! Vous avez besoin d'explorer les 5 niveaux à la main avant d'espérer activer l'ascenseur. Par exemple, je vais essayer de descendre encore en un niveau. Et bien sûr, la difficulté augmente tous les certains nombres de niveaux. Ne vous inquiétez pas, ça devient de plus en plus difficile. Sachant qu'il existe aussi un donjon à peu près identique. On voit rien ici. Un donjon identique, sauf que la différence, c'est que c'est du niveau endgame, c'est-à-dire que pour y accéder, vous avez besoin déjà d'accéder au niveau 135 de cette mine. Et en plus de ça, c'est un donjon très difficile et infini, qui vous permet de récupérer des matériaux que vous ne pouvez pas récupérer dans ce donjon, ou en tout cas difficilement. Vous avez trouvé une géode, le blacksmith local, peut, enfin le forgeron local peut l'ouvrir pour vous. Voilà, c'est ça. En gros, le forgeron peut vous l'ouvrir. Je crois que ça coûte 25 d'or. Ça vous l'ouvre et vous pouvez trouver des trucs que vous pouvez donner au type du musée. Voilà. C'est fort utile. Enfin, c'est fort utile. Ça vous permet d'avoir des récompenses. Donc là, il y a du charbon aussi que vous pouvez récupérer. Sauf que là, j'ai vraiment plus de place dans mon inventaire. J'aimerais bien juste arriver au niveau 5. Sachant que si vous faites clic droit sur l'échelle, en fait, vous ressortiez directement de la mine. Dire vous tapez pas la remontée de tous les niveaux, vous sortez directement de la ville. Ah oui, et puis tous les niveaux sont... Ah, mais c'était là l'échelle. Voilà. Là, je suis arrivé au niveau 5. Et donc, j'ai la possibilité de remonter au niveau 0. Voilà. Sachant que tous les niveaux sont toujours générés aléatoirement. Voilà. Et j'ai déjà plus d'énergie, donc c'est pour vous dire que vous avez besoin énormément d'énergie. Ah oui, d'accord, faut que j'atteigne le niveau 40 pour rentrer dans la mine. Voilà. Donc là, vous avez les quêtes de la mine. Hop. Ça, c'est bon, j'ai récupéré. Là, il demande de build un coop pour élever des animaux. Donc, je vais vous montrer un petit peu cette partie-là. C'est juste à côté. En fait, faut aller voir le charpentier, Robin, qui vous permet de, enfin, à qui vous pouvez acheter soit des améliorations pour votre maison, moyennant de l'argent et des matériaux. Soit des équipements pour votre chez vous, par exemple, de l'argent, enfin, des équipements. Je vais vous montrer. Là, vous avez tout ce que vous pouvez pour décorer votre maison. Classique, hein. En plus de pouvoir acheter du bois ou de la pierre à unité. Soit vous pouvez augmenter votre maison, ça coûte 10 000 d'or pour la première fois et 450 pièces de bois. Soit vous pouvez construire des farm building, voilà. Donc vous avez pas mal de choses. Le co-op, le barn, donc ça c'est pour tout ce qui est les gros animaux, genre vaches, tout ça. Ça c'est plutôt pour ce qui est poulet, tous les volatiles. Là vous avez le puits qui vous permet de remplir
votre arrosoir, mais bon, vu la gueule de mon chez moi, je peux le remplir un peu n'importe où. Le silo qui vous permet de stocker de l'herbe que vous récupérez avec la fosse. Ça, c'est très important d'en faire dès que vous commencez à avoir des animaux, parce que les animaux mangent de l'herbe et vous en aurez besoin d'en stocker, notamment pour l'hiver. Sinon, faut l'acheter et c'est chiant. Le moulin qui vous permet de faire de la farine à partir de blé ou tout truc comme ça. Le shed qui vous permet, en gros, c'est une grange qui vous permet de ranger plein de trucs. L'étable pour acheter un canasson, enfin pour avoir un canasson qui vous permet d'aller plus vite. Je l'ai pas fait encore sur ma partie, mais je devrais le faire. Le slime hutch qui permet d'élever des slimes. C'est drôle. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est drôle. Et vous pouvez aussi améliorer les coops et les barns pour les monter jusqu'à deux niveaux supérieurs. Parce que, au dernier niveau, en fait, vous pouvez stocker 12 animaux par endroit. En plus d'avoir un refill, c'est-à-dire que les mangeoires sont remplies automatiquement. Parce que sinon, faut le faire à la main. Alors ensuite, je vais passer directement... Où est-ce que je peux essayer de passer ? Je vais passer plutôt du côté du blacksmith, parce que je pense que lui, il va fermer plus tôt. Je crois qu'il ferme à 4h. Oui, c'est chiant, parce que la plupart du temps, dans la journée, vous faites pas tout ce que vous voulez. Surtout quand vous avez plein de choses à faire. C'est soit vous vous couchez, vous vous levez à 6h du matin, ou vous vous couchez à 8h, parce que vous avez déjà plus rien à faire. Soit vous vous levez à 6h du matin, et vous rentrez à 2h du matin, parce que c'est trop dur. Vous avez trop de trucs à faire. Ah oui, mais non, j'ai pas la place. Shit ! J'ai pas la place de tous les casser, parce que forcément j'aurais des items un peu spéciaux que je pourrais pas vous montrer, enfin que je pourrais pas mettre dans mon inventaire parce que j'ai plus de place. C'est chiant, cette histoire d'inventaire. Ok, donc là je vais passer chez Pierre. Donc vraiment, ce que je vous enjoins à faire, c'est acheter le backpack, au moins le premier, très rapidement. Donc voilà, des parsnips 500 et des patates. On peut en racheter. Donc c'est toujours en positif, c'est-à-dire que vous payez toujours plus que ce que ça vous rapporte, évidemment. Alors attendez, 6, j'en ai acheté 24. Voilà. Vous payez toujours moins que ce que ça vous... Plus ou moins, je sais pas trop comment dire. Ah mais j'aurais pas assez d'énergie. Hein. Vous payez toujours moins que ce que ça vous rapporte. Donc vous êtes toujours en positif. Voilà, je vais y arriver. Ça fait chier, j'aurais pas assez d'énergie pour... Ah, peut-être que si, je sais pas. Ah non, j'aurais carrément pas assez d'énergie. Parce que ça coûte beaucoup d'énergie, en fait, toute cette histoire, et donc c'est un peu chiant. Donc voilà, une journée typique, c'est soit vous allez à la mine, soit vous occupez d'autre chose. Hop. Bon là la question c'est est-ce que je bourre. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais faire un truc que vous aurez souvent à faire au tout début de la partie, voilà. C'est de vous passer en over d'exhaustion, c'est-à-dire vous crevez de fatigue, vous êtes à zéro quoi. Donc vous aurez beau travailler, donc faut vraiment éviter de faire ça, parce que non seulement vous pouvez tomber de fatigue, mais en plus de ça, vous allez voir ce que ça va faire quand je vais passer. Ah ok, bah je suis tombé de fatigue. Donc ça fait forcément passer à la journée suivante. D'ailleurs, j'ai level up en farming, donc je suis passé level 1. Et ça augmente l'efficacité de mon arrosoir et de la houe, ainsi que j'ai débloqué des recettes de crafting. Alors, je me réveille le matin. Ah, c'est cool, d'accord. Donc ça me le remplit complètement. Si vous tombez d'inanition, ça vous le remplit complètement. Oui. Bonjour. Ouais, j'ai vu que tu as cassé des cailloux et trouvé des minéraux, c'est cool. Si t'as besoin de faire quelque chose de ces minéraux, t'auras besoin d'une fournaise. Donc en gros, il file un blueprint pour créer un four qui vous permettra de faire fondre les petits morceaux de minéraux en des barres complètes. Et ensuite, vous pouvez améliorer votre équipement auprès de Clint. Sachant que ça prend du temps. C'est-à-dire que pendant l'utilisation de... Ah merde. Pendant l'augmentation de votre équipement, vous ne pourrez pas l'utiliser pendant 2-3 jours. Donc c'est un peu chiant. If you can sell this slime... d'accord, faudrait que je tue slime pour rentrer dans la guilde des aventuriers.
Voilà. Du coup, comme je suis tombé inconscient, il y a des gens qui ont piqué de l'argent dans mon truc. Mais bon. Dans ma poche, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. C'est les risques, ça vous arrivera assez régulièrement. Pas forcément de tomber d'inanition, mais en tout cas de mourir dans la mine. Mourir, entre guillemets. Si vous perdez toute votre santé dans la mine, vous êtes ramené au point de départ. Vous perdez à la fois des items et à la fois de l'argent. Donc, faut faire gaffe. Parce que vous pouvez perdre tous vos items, sauf ceux-là. Voilà. Même l'épée, vous pouvez la perdre. Donc, sachant qu'il y a des épées qui sont très rares, très puissantes ou même très chères. Notamment la dernière épée que vous obtenez quand vous arrivez au bout de la mine de base. Vous en avez pour 45 000 à l'unité. Je l'ai déjà perdu deux fois. Donc autant vous dire que j'avais un peu les boules. Voilà, donc faites gaffe, quand vous mourrez dans la mine, c'est assez punitif. C'est pas aussi punitif que ce que ça en a l'air, mais c'est quand même un peu hard. La première fois que je suis mort, j'ai perdu 9 items dans mon inventaire. J'avais un peu les boules. Ah, plutôt. Voilà, donc ça c'est le rituel que vous allez faire tous les matins tant que vous n'avez pas les sprinklers. Et honnêtement, essayez de passer le plus rapidement au sprinkler de niveau 2. C'est-à-dire que je crois que c'est le farming level 6 pour ça, donc ça prend un peu de temps. Mais passez le plus rapidement au sprinkler de niveau 2, c'est-à-dire les sprinklers qui arrosent 8 autour. Ce que vous verrez, ça sera quand même largement plus pratique. Alors là, je vais passer en bas pour montrer un petit peu. Je pense que je dois pouvoir faire trigger un événement. Non, pas ici. Bon bah alors ça doit être dans la ville. Ou au pire, je vais aller casser les géodes, ce sera déjà ça de fait. Mais vous voyez, rien que le fait de remplir le... Enfin, d'arroser chez moi, ça m'a pété la moitié de ma barre. C'est un peu relou. Ah non, j'ai pas d'événement. Bon bah je vais aller casser les géodes. La plupart des magasins sont ouverts à partir de 9h. Même quasiment tous en fait. Tous les magasins sont ouverts à partir de 9h. Et qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Et la plupart ferment plutôt vers 4h ou 5h. Donc voilà. Donc si vous voulez être actif, c'est en ce moment-là, si vous avez besoin de la ville. Et le problème, c'est que genre rester dans le comment ça s'appelle? Process Géode. Rester dans la... Hop, une slate. De la clay. Bon, ça se trouve assez facilement, donc bon, c'est un peu chiant. Et un petrified slime. Rester dans la mine pour récolter des trucs, ça vous prend facilement toute la journée jusqu'à 8 ou 9 heures du soir, voire plus. Donc voilà, généralement, vous pouvez pas tout récupérer. Abysmal. Donc en gros, l'ancien collectionneur, il s'est barré avec tout. Vraiment tout. T'as trouvé quelque chose? Laisse-moi voir. Remarquable, c'est très vieux. Et j'adore regarder ça dans les plus... Dans plus... Non, j'adorerais regarder ça dans plus, avec plus de détails. Mais c'est à toi. J'ai une faveur à te demander. Si tu considères donner les artefacts ou les minéraux que tu trouves... ça serait génial, on pourrait faire des super découvertes tous les deux. Et pourquoi pas, si vous donnez quelque chose, si tu continues à donner quelque chose, je pourrais trouver des trucs vraiment, des items vraiment intéressants. J'arrive pas à la traduction, c'est affreux, c'est super dur. Pense à ça, s'il te plaît. Si tu décides de donner des trucs, juste apporte-les-moi au bureau de l'entrée. Donc là, en gros, vous pouvez donner tous les items que vous avez dans la catégorie minéraux ou artefacts. Donc genre ça et ça. Et donc quand vous avez écrit que vous avez un reward, c'est que vous pouvez lui parler et il vous filera un reward. Et ça peut être un peu tout n'importe quoi. Généralement, c'est des objets décoratifs pour votre maison. Décoratifs et actifs, ça qui est cool. Mais ça peut être aussi des plantes rares, des trucs un peu spéciaux. Et donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est pour cette partie-là. Je pense que je vais passer à la journée suivante. Je vais essayer de trigger les événements importants aussi à vous montrer. Parce qu'il en reste encore quelques-uns, mais je pense qu'on n'est pas encore les bons jours. Parce que, évidemment, c'est au tout début, tout ne s'active pas en même temps. Il vous faut faire des trucs. Il vous faut passer un petit peu le temps. Vous occuper de votre ferme.
Donc là, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrange un petit peu ma ferme, que je fasse des trucs comme ça, que j'enlève un petit peu le bousin qu'il y a un peu partout, parce que, c'est le bordel. Non. Voilà. Mais bon, j'ai un poil la flemme. Faudrait aussi que je fasse un épouvantail, parce que, ah oui, j'ai pas de colle sur moi. Ah. Les épouvantails, c'est pratique, ça évite qu'il y ait des corbeaux qui viennent vous manger vos graines. Et il y en aura, hein. Franchement, faites-le, c'est important. Je vais poser ça. Je vais passer à la journée suivante, je vais essayer de trigger les événements importants. Alors, il s'est passé un truc cette nuit, je pense que je vais vous le garder. C'est un truc qui est très rare. Honnêtement, ça m'était arrivé que 2 fois sur presque 2 ans. Et là, pour le coup, le 7, ça est arrivé. En gros, il y a une fée qui est arrivée et qui a fait en sorte que tout un truc de parsnip là, se développe d'un coup. En plus, on a des patates, c'est nickel, on va avoir de l'argent. Voilà, c'est super. Et je pensais pas que ça arriverait aussi vite. C'est très drôle. Je pense que c'est complètement aléatoire du coup. Mais ce genre d'événement est assez sympa. Parce que du coup, ça vous permet d'avoir une récolte en plus rapidement. Tranquillou. C'est plutôt pratique. Ça paye pas de mine. Alors oui, il y a aussi des trucs qu'il faut que je vous explique à propos de ce que vous récoltez. Ce que vous récoltez en fait peut avoir 2, 4 niveaux de qualité. Vous avez le niveau 1 où il n'y a pas d'étoile, le niveau 2 où il y a une étoile, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, quand on passe la souris dessus, il y a écrit plus 25 en énergie, plus 10 en santé, tandis que là, c'est plus 35 et plus 14 en santé. Vous avez le niveau étoile d'argent, qui est le niveau 2. Ensuite, vous avez le niveau étoile d'or, qui est le niveau 3. Et après, vous avez le niveau étoile violette. Alors là, pour le choper, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment de la grosse qualité, il faut avoir un sacré level qualitatif. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Oh, bonjour. Quel eyesore, truc dégueulasse pour la vision. C'est le Pelicanton Community Center, ou ce qu'il en reste plutôt. C'était la fierté et la joie de la ville. Malheureusement, enfin, toujours plein d'activités. Maintenant, juste regarde ça, c'est affreux. Ces jours-là, enfin, ces jours-ci, les jeunes préfèrent rester assis devant la TV, plutôt que s'engager dans la communauté. C'était mieux avant, les jeunes de nos jours, franchement. Mais écoute-moi, je sens. Merde. Je parle comme un vieux con. Oui. Voilà, je pense que c'est bien ça la traduction. Joja Corporation me fait chier pour vendre la terre pour la tourner en warehouse. Je sais pas trop ce que c'est warehouse. La ville pourrait utiliser l'argent, mais j'ai pas vraiment envie de le vendre. Il y a quelque chose qui me stoppe pour le vendre. Je pense que. Oui, voilà. On est trop attaché au vieux truc. Si quelqu'un d'autre achète un Jojaco Membership, je pense que je vais le vendre. Donc là, c'est le choix que vous pouvez faire, soit passer par le Community Center, soit passer par le Joja Membership. Moi, je suis passé par le Community Center, c'est-à-dire j'ai pas acheté le Joja Membership, parce qu'en fait, si vous finissez le Community Center, Joja disparaît de la ville, d'après ce que j'ai compris. Et tout le monde est heureux. Qu'est-ce que c'est? Je pense que Vincent et Jazz doivent être en train de jouer ici. L'endroit est encore plus défoncé que ce dont je me souvenais.
What? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Tu es malade? Tu as vu quelque chose? Je serais pas surpris si l'endroit était plein de rats. Tu m'inquiètes, Sandra. Regarde, non, on peut regarder. Luke, c'est pas du tout dans ce sens-là. Ah, écoute, je pense que je vais rentrer à la maison. J'ai besoin de me, bah, j'ai besoin de manger. Écoute, je vais laisser l'endroit ouvert à partir de maintenant. Peut-être que c'est si tu peux attraper les rats, si t'as un peu de temps libre devant toi. Étrange. Je reviendrai un peu plus tard pour explorer le un peu plus en profondeur. D'ailleurs, faut rentrer. Donc là, le community center n'est pas encore débloqué. Vous l'avez ouvert, mais il y a encore 2-3 trucs à faire, notamment comprendre ce que veut dire cette plaque. Voilà. Et la petite bestiole qui vient de se barrer. Donc je vais légèrement vous spoiler, mais en gros, ce sont des esprits de la forêt qui vivent un petit peu en harmonie avec la ville. Et une fois que vous aurez déchiffré ce langage, c'est assez vite. Donc en fait, il suffit de parler au. Je pense qu'il faut que j'attende la journée suivante. Il suffira de parler au magicien qui vous permettra de comprendre ce langage. Et en fait, ce sont des bundles. Vous aurez plein de bundles de débloquer où vous devrez donner des items de la vie de tous les jours, enfin de la vie de la ville en fait, que ce soit des poissons, des trucs que vous récoltez, tout ça, plein de trucs, plein d'items. Et une fois ces items débloqués, une fois la blinde d'items donnée, en fait, vous pouvez débloquer diverses parties de la ville que vous n'avez pas encore accédé, notamment le désert. Regardez, là il y a un désert et tout, il y a plein de trucs, il y a plein d'endroits que vous pouvez débloquer grâce au la carrière, enfin grâce à ce community center. Mais pour ça, vous aurez besoin de donner des pleins d'items. Voilà, level 1 en foraging. On va passer à la journée suivante. Donc là, normalement, on reçoit une lettre du wizard, ouais, c'est ça. De Monsieur Asmodius. Donc on va aller voir le sorcier pour lui parler un petit peu de ces petits êtres étranges. Donc nous voilà arrivés du côté de la tour du sorcier, près du lac. Ah, entre. Je suis Rasmodius, chercheur des vérités des arcanes, médiateur entre le monde physique et le monde éthéré. Maître des sept éléments, et un keeper de sacré. Bon, t'as compris l'idée. Et toi, Célandra, celui qui est arrivé à Longforcine, que j'avais prévu. Voilà, je voudrais te montrer quelque chose. Regarde, admire plutôt. Tu en as vu avant, n'est-ce pas? Ils s'appellent les Junimos, des petits esprits mystérieux. Pour certaines raisons, ils n'ont pas envie de me parler. En tout cas. Je suis pas sûr de savoir pourquoi ils ont déménagé dans le community center, mais tu as aucune raison de les craindre. T'as trouvé un parchemin doré écrit dans un langage inconnu. Plus intéressant. Reste ici, je vais chercher par moi-même. Je retourne. Enfin, je reviens. Meilleure façon de sortir ever. Et le mec qui rentre par la porte. J'ai trouvé la note.
Le langage des obscurs, mais je suis capable de le déchiffrer. Nous, les Junimaux, sommes contents de vous aider. En retour, nous attendons des dons de la vallée. Et si tu fais qu'un avec la forêt, tu verras la vraie nature de ce parchemin. Un avec la forêt. Qu'est-ce que ça donne? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ah! Viens ici! Mon chaudron est boue avec les ingrédients de la forêt. Bois-en un petit peu. Laisse l'essence de la forêt rentrer dans tes veines. Enfin. T'as pas l'air en point. L'essence de la forêt, c'était juste de la grosse bœuf. De la bœuf sévère en plus. Tu as gagné le pouvoir de la magie de la forêt. Maintenant, tu peux déchiffrer les trucs des animaux. Voilà. Donc là, en gros, on a la capacité de déchiffrer ce qui est écrit sur les plaques du Community Center. On va aller voir un petit peu ce que ça dit pour vous montrer. Allez, c'est parti. Donc voilà. En fait, ça permet de débloquer différents bundles. Par exemple, le Spring Foraging Bundle. Donc là, en gros, vous devez trouver les items qui sont marqués ici, les placer ici, et quand le bundle est complet, non seulement sur les premiers bundles, ça vous débloque d'autres zones à bundle encore, et une fois que vous avez tout fini, par exemple ici, Reward Bridge Repair, donc ça vous permettra d'accéder à la carrière, voilà, par exemple. Mais une fois que vous aurez tout fini, et donc vous en avez pas mal, des trucs comme ça, bien évidemment, une fois que vous en avez débloqué quelques-uns, ça débloque... un bundle ici, un bundle là-bas, enfin, il y en a vraiment, enfin, des zones à bundle, vous en avez des 6 au total, qui peuvent être débloquées et remplies, et une fois que vous avez tout fini, bon, ce que j'ai pas encore fait, Joja disparaît, tout le monde est heureux, etc., etc. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour les différents, enfin, les choses importantes dans la ville. On va arrêter là cet épisode, hein. Dans le prochain épisode, je vous montrerai une partie beaucoup plus avancée où je suis presque à ma 3e année. Donc vous verrez un petit peu ce que c'est qu'une une ferme un peu plus grande, surtout un peu plus classique, parce que j'ai pas pris le même terrain que celle-là, avec pas mal de choses avancées, que ce soit au niveau du social, au niveau des découvertes dans la ville, bref, pas mal de choses. Du coup, je vais vous laisser là, j'espère que cet épisode dense encore en information vous aura plu. N'oubliez pas que c'est juste une découverte, c'est pas vraiment un let's play au sens propre du terme que ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de cette petite aventure, de ce petit let's play de la tranquillité. Allez, portez à tous, salut à tous, portez-vous bien.